Mais chaque fois que mon réveil sonne aussitôt, je regarde s'il n'y a pas des équipes de télé, des caméras, pour voir si c'est pas un canular. Mais non. Oh là 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 là. Vous l'avez reconnu, c'est tout dans la discrétion, Vincent. Assistant bagage, ma belle. Assistant bagagerie. On a retrouvé Vincent Libérateur. Regardez. Alors moi je suis trop content parce que quand je viens ici, je sais qu'il va y avoir plein de chevaux. Alors, aide-moi particulier pour te soutenir et t'encourager. Car ce week-end, plus précisément demain, donc demain, ici, dans le domaine de Vincent Libérateur, c'est... Juste vous m'écrivez sur mon site, vincentlibérateur.com, et il peut rester encore une dizaine de places, voilà, avec Jérém et Mathieu et Alex de l'ADP. Ah bah, il y a plein de monde demain, ça va être trop cool. Plein de surprises. Alors du coup, il se passe quoi demain ici? Eh bien, donc, demain, voilà. Toute la journée... Bon, allez, oh, tu perds tes moyens, crevure! Viens-t'en! Elle, ma cochonne! Elle, ma salope, réveille-toi! Demain, cette écurie va être complètement transformée. C'est ça? Ouais. Puisqu'il y aura le dîner ici, mais on mange vraiment là? Ben, il y aura tous les chevaux dans l'écurie, et après, on fait après le repas, on fait le spectacle dans le manège juste à côté. D'accord. Alors, le spectacle, c'est ce que j'avais un peu vu l'autre fois, mais il y aura plein d'autres trucs. C'est plein de numéros avec tous tes chevaux, c'est ça? Ouais. Et les gens arrivent, regarde, viennent voir. Passe à un cocktail, des chevaux, manger au milieu des chevaux. Ici, dans ce domaine et tout. Donc, les puces, je suis dans la région actuellement pendant plusieurs jours chez ce furoncle. Donc, si vous voulez demain passer une super soirée de l'amour et dans le pré, venir voir bien sûr le spectacle, manger tout ça, vous pouvez donc directement aller sur le site. Vous allez voir, il y a toutes les infos, tout ça. Vous envoyez un mail, c'est ça? Comment ça se passe pour réserver? Oui, envoyer un mail et de toute façon, on regarde régulièrement. Bah, moi, je suis content, ouais. Franchement, je vais être avec des chevaux là pendant plusieurs jours. Ah non, il commence déjà à me mordre. Ah non! Non! Ça, je sais que vous aimez en général tous ces petits trucs là, ces petits fils. Je suis trop content, les puces, d'être avec des chevaux là pendant plusieurs. Ah, il me mord! Non, calme-toi, sérieusement, doucement. Il me niaque! Crevure! Ça y est, c'est reparti, ça t'avait manqué ça d'être derrière moi. Allez, je conduis, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Ça c'est gênant. C'est quoi? Je ne conduis même plus, je crève. Bon allez, hop, derrière. Parce que là, moi ça me gêne, il est derrière moi, franchement. Puis il en profite un peu trop. T'es prêt, puce? Ah non mais je crève. Ah, c'est dur. Regarde. Du rêve. Depuis tout à l'heure, je t'ai... Ah, mais attention, Jérém. Je fais vivre un enfer, je me mange la... Oh, bah alors elle m'aime bien. Hein. Je me rappelais pas, Wan, que t'étais aussi collante et affectueuse. Je crois qu'elle est déjà fille. Elle m'adore. Hein? Regardez-la sur moi. Excuse-moi. Tu veux quoi? Quoi? Là-bas, il y a quelqu'un si tu veux. Moi, je suis pas très tactile. Ah, moi, je suis pris déjà. Bah oui. Je lui fais croire que je suis pris parce que sinon, je vous jure, le mec, il est un peu insistant, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est pénible. Ah, tu gênes! C'est du harcèlement de rue! Enfin, de. On n'est pas mieux ici, les puces, avec des animaux, qu'avec des vieux cons à Paris aigris. Il est tellement gentil, lui. C'est ouf, il est collant. Il s'appelle Chamaco. Il perd ses poils, hein. Je suis rentré dans un état, moi. Qu'est-ce que j'aime les chevaux. Bon, vous le savez de toute façon. Hein. Je vais passer franchement des jours trop cool ici. Hein, loulou? On te retrouve demain au spectacle. Je sais pas ce que... Jérém, je sais que je me répète, mais t'as vraiment un lien qui est incroyable avec les animaux. Ah, il a bavé dessus. Je sais pas d'où ça vient, en fait. Bah, depuis tout petit, au lieu de faire du foot, je faisais du poney. Les animaux m'adorent, surtout. Ouais, et ça, c'est vrai. Attends, fais voir, tourne-toi. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était, tu sais, le tatouage des anges de la télé-réalité. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Oh là là, j'adore. Bonjour. C'est des poulains, ça, apparemment. Enfin, maintenant, ils sont grands, mais...
Bonjour. Ouh là là, mais alors vous, vous êtes comme des chiens et des chats, vous venez vers nous comme ça. Synthé. Ils seront là au spectacle demain, eux? Non, pas eux encore. C'est des poulains, c'est ça? Ouais. Ils ont quel âge? 2, 3 ans, là. Regardez comme ils sont beaux ceux-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai avalé une mouche. Bon bah tant que c'est qu'une mouche, ça va. J'en peux plus. Votre pote m'a remplacé par Alex. Donc là, je sais pas pour qui il se prend, pour Naomi Campbell, du pauvre. Il faudrait déjà que t'aies déjà existé. bon. Ouais, c'est mieux de rigoler, ouais. Ouf, ouais, ouais, j'ai vu. Elle est incroyable, la photo. Regarde ces belles photos qu'il fait. Elle est très belle. T'as vu? Bon, attends, elles sont belles. Celle-là est très belle. J'adore. Ouais. Ils sont trop beaux, hein. Ils sont vraiment beaux. Ça va, toi? Puis en plus, ils sont tellement pas sauvages, c'est un truc de dingue. C'est trop bien. Mais... Oh! Ce que je vois, c'est réel, là? C'est une plaisanterie, j'espère. J'apprends énormément de potins ici, grâce à Mathieu. Alexandre. Faut que je te trouve un surnom, je vais pas y arriver, je te jure. Allez, ouais. Bon, on va te trouver un petit surnom. Ah, tu sais à qui tu me fais penser? Dans le Roi Lion. Simba. Non, il y a un espèce de... Timon. Oui, Timon. Ah bon? Oui, l'espèce de truc qui se dresse, là. Fred, France Dimanche, c'est son surnom. Elle a voulu frapper Vincent. Ouais, elle a voulu lui éclater la gueule. Non. Mais pourquoi? Parce qu'il faisait trop le macho. Ah. Elle voulait le tarder. Vincent. Libérator, c'est dommage quand même que ça soit tendu entre vous. Mais heureusement, grâce à moi, ça s'est arrangé au salon de l'agriculture. Ah, c'est tout grâce à toi, hein. Notre lover. Apparemment, c'était un peu tendu, quoi. Fred avait du mal avec lui. Ouais. Mais beaucoup de gens ont du mal avec Vincent. C'est vrai? Mais quand on le... Oh, la tête qu'il fait! Mais quand on le connaît, on sait que c'est un amour. Non, il est sympa, mais c'est vrai qu'il est un peu lourdingue quand il a bu. Il a le cœur sur la main. Un plus. Il a le cœur sur la main. Oui, non, il est sympa. Moi, c'est pour ça que je suis venu pour son spectacle, parce qu'on a eu un super feeling la dernière fois que je suis venu. Enfin, la première fois, d'ailleurs. Et je lui ai dit, dès que tu fais un spectacle, tu m'appelles. Et ben voilà. Et en plus... Les gars. Je pense que vous êtes vraiment au bon endroit. Quoi? On est où là? Quoi? Attention, fragile. Oh, c'est mauvais, c'est facile, c'est gratuit. Et on est de retour chez Céline. Céline ici, donc à Saint-Rémy-de-Provence, oui. C'est ça, qui tient cette super enseigne, Céline Bespa, jacuzzi, sauna, hammam, massage. Je vous avais montré, vous vous souvenez, la déco trop belle à l'intérieur. J'adore. Chaque fois, je crois que c'est des vrais personnages. J'avais un restaurant dans lequel on avait super bien mangé. Regardez, avec une super déco, on voyage. Donc, c'est trop cool, on profite un petit peu. On poursuit notre séjour en faisant un stage en peinture en bâtiment. Je crée. Non, je rigole. On va faire un nouveau truc chez Céline, justement. Une nouvelle expérience sensorielle. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Mais alors, vous avez de ces idées, mais c'est encore plus révolutionnaire qu'à Paris, hein. On n'a pas. Ah ben non. C'est dingue. Regardez. Oh là, génial. C'est incroyable. Regardez, ça s'ouvre comme une porte de voiture. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on fait, nous, je te jure? Allez, on s'installe. Hop là. Oh, j'espère... Ça va se dégonfler. Comment tu te sens? Bah écoute, je suis sous l'eau, il y a plein de poissons. C'est incroyable de se faire masser tout en regardant des paysages. Ouais. Waouh, une expérience sensorielle, vraiment. Qu'est-ce que c'est beau, regardez. Il y a des bains, là, des jacuzzi aussi à l'intérieur. Nous, on va aller à l'extérieur, je vais vous montrer. Vraiment, à chaque fois que je viens ici, c'est un endroit incontournable. Très grande dame, hein, là, Jérémy. Très grande dame. Oh là 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 là, il a sorti des knackis. C'était glamour et d'un coup t'as tout niqué. Franchement, moi c'est mon bonheur. C'est Céline Passion. Ah. Bon, tu ça? Je crains, ça gêne cette scène. On est dans un jacuzzi de dingue. Les puces, attendez, je vais sortir pour vous montrer. Non mais regardez-moi ce paradis. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, des cabines de massage comme ça? C'est pas une dinguerie, franchement. Oula. Mais t'as des airs de Julien Berthe, c'est choquant. Remets-toi de profil. Je vous jure, c'est Julien Berthe. Bah, vous en pensez quoi, les puces? Il y a grave un air. Ça me convient, il y a pas mal. Là. Oui, j'imagine que tu ne laisserais pas dormir dans la baignoire. Bah,
Allez, moi je continue mon rééquilibrage alimentaire. Les puces, je ne lâche rien, même en déplacement. Je me suis pris un dos de cabillaud avec du riz coco. Du coup, demain, tu reviens. On revient. Ah, cette fois-ci avec ton cum. C'est ça, Mathieu. Mathieu, vous serez là tous les deux. Et ça va être bien sympa. Non, on a vraiment trop rigolé aujourd'hui. C'est ça, à refaire. Vraiment, on s'est fendu la poire. La poire en deux. N'est-ce pas le trident? C'est ça. Le trident de l'enfer. J'ai l'impression que c'est Julien Berthe, ça me perturbe. Tout est là, en fait, dans la moustache, le sourire, il y a un truc de Julien Berthe. Voilà. Oh, bah dis donc, il a renversé toutes les casseroles qu'il avait au cul. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'avion. Accroche-toi à la vie, loulou, t'as éclaté. Madame, tiens, troisième âge. Elle est foulée dedans, de toute façon, tu sens plus rien pour moi. Je te rappelle que mamie a un anus artificiel. Donc si tu ne veux pas venir pareil, Jérémy, faut la faire, cette coloscopie, t'as compris? J'ai voulu le shipper, mais je n'ai pas bien réussi. Instagram m'a engrossé et l'algorithme m'a fait accoucher. On se croirait dans 50 nuances de gay. Sauf que mon producteur, c'est pas Christian Grey. Hein. C'est plutôt Christian Lay. Non mais je... Bonsoir. Je... Ça va, toi? Je...